me comprendre. Voilà. Donc, qui va maintenant se lever, bon, tu vois maintenant tous ces gens me disent, ah, mais ils qu'ils aillent faire quelque chose, qu'ils essaient de faire. Voyons voir s'ils peuvent faire. Vous allez voir qu'il n'y a pas. C'est pourquoi on doit venir le Seigneur et féliciter ce grand don qui est parti. Je réitère et je dis que quand on a parce que vous savez, c'est bien d'avoir la connaissance. Jésus, ça ce sont des histoires, papa. Vous comprenez? Vous voyez, Dieu à Jérusalem, quand il était, David, ça ce sont des histoires. Fabanam nous a parlé des ombres là, parce que la réalité c'était aujourd'hui. Et quand Branham arrive, il dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. C'est-à-dire que même pour mon ami Abouen, le lumière qui bouge Jérusalem. Jérusalem, c'était ma bintubika, la multiplication de pain, ma partie divine. Si vous, est-ce que vous allez croire? Donc là, Branham l'a manifesté. Mokulumbeu, il est venu, il a goûté quelque chose de Dieu. Mais moi, je ne suis pas, je ne peux pas vraiment parler en mal de passer. Non, jamais. Donc, en tout cas, si on a fait ça, ça, ce sont des erreurs graves, mais vraiment que Dieu pardonne chaque serviteur de Dieu. C'est papa ici avec l'amour sur ses lèvres, même dans son cœur. C'est une perte incroyable. Nous, c'est papa ici, il a aidé des familles, des gens, des pauvres, des ceci. Devant chez lui, là, il sortait, il priait pour des malades, il donnait de l'argent. Alors, il y a un bon ami, ce papa-là, il avait vraiment beaucoup de très très bonnes œuvres. Au fond, tout social, au fond, tout à banque. Que vous soyez criminel, il va vous recevoir. Que vous soyez prostitué, tout ça. Il va vous recevoir. Que vous soyez président, il va vous recevoir. Que vous soyez pauvre, il va vous recevoir. Que vous soyez mendiant, il va vous recevoir. Que vous soyez. Vous m'avez calculé qu'à vous, il y a tout le monde en exacte. De parler avec des païens. Aujourd'hui, on a des pasteurs avec des églises, mais les églises des brebis des gens. Vous n'êtes pas un pasteur, on peut vous enlever n'importe quel. C'est ça la difficulté qu'on a. Et aujourd'hui, vous voyez, un pasteur, il est là, mais c'est l'étiquette seulement. Quand on fait pop, il est batté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à convertir des catholiques, des blancs comme Mouchin et tous les amis. On doit bénir le Seigneur pour le passer par route. L'évêque, c'était vraiment effectivement un évêque. Un homme à honorer, à respecter. Vraiment, il est au ciel. Il est au ciel. Les erreurs ici des choses de la terre, Dieu ne voit même pas ça. D'abord, c'est incroyable. Dieu ne voit pas ça. Vous comprenez ça? Dieu ne voit pas ça. Donc, ce sont des gens dans leur cœur là. Ils sont Dieu. C'est comme le pasteur Vibidi là. Ils sont Dieu. Dieu réel ici. Ils sont Dieu. Les vieux là, vraiment, on doit les respecter. Pas parce que nous dit, on soit. Maintenant, nous, nos yeux ici, les humains, sont prêts à voir. Ah, manéweu. Non, nos yeux ne sont pas créés pour voir la parole. Ce sont les cinq sens. Si on peut voir avec l'âme, avec les yeux spirituels, on va voir que Dieu est dans le monde. Ils se sont bien conservés. Hein. Dans la foi. Maïcha, parce que Yumbi, parmi Maïcha, tout le monde, il a quand même ma révolte spirituelle. Moi, de la poussière aux étoiles, tout ça, des livres de souvenirs. J'ai un impact. Oui. Moi, je vais les respecter.
Je vais les respecter. Moi, je fais le monde. Bon, monde, moi, je fais le monde. Je ne veux pas scandaliser. Je suis allé à beaucoup. Je vais à beaucoup de endroits. Mais je fais le monde. Tu vois. Mais le Seigneur est grand. Prions pour l'épouse de Pasteur Barouti, Maman Afo. Une grande chrétienne, pour modèle les gens. Une sainte enfant. Une femme au rang élevé, comme son mari. Pasteur Barouti avait la démonstration, pas les histoires. Pasteur Diogo avait la parole, la connaissance. Mais il faut la démonstration, papa. C'est pourquoi vous avez vu que le Pasteur Barouti a eu plus de membres que tout le monde. Pourquoi? Parce que c'était la démonstration. Est-ce que les aveugles ont vu? Oui. Les voyants, les malades sont. Oui. Est-ce qu'il a accompli vraiment Marc 16? Il a accompli Marc 16. Moi, je vais en Amazonie. Je suis un missionnaire mondial, je sais de quoi je parle, là, de la puissance de Dieu, sinon il serait mort depuis longtemps. Le Seigneur l'a gardé, il est dans la gloire. Vous me comprenez? Voilà. Qui va maintenant s'élever, bon, tu vois maintenant tous ces gens, mais ils ont bien dit qu'ils aillent faire quelque chose, qu'ils essaient de faire. On voit s'ils peuvent faire. Vous allez voir qu'il n'y a pas. C'est pourquoi on doit venir le Seigneur et féliciter ce grand don qui est parti. Bon, moi du tout, on a dit être. Je réitère et je dis que pour un monde tout, ou à ce que j'attends de l'autre. Dès que, parce que vous savez, c'est bien d'avoir la.